Ce premier combat de la soirée est un combat de 6 rounds dans la division super mi-moyen. Les juges pour ce combat, M. Richard de Carufel, M. Claude Paquette et M. Benoît Roussel. L'arbitre, M. Michael Griffin. Dans le coin bleu, pesant 146,5 livres, une fiche de 32 combats, 10 victoires, 5 par KO, 4 nuls. De Saint-Augustine, Floride, from Saint-Augustine, Florida, José Angel Roman. Dans le coin rouge, pesant 146 livres, une fiche de 9 combats, 7 victoires, 6 par KO, un combat nul. De Toronto, Ontario, from Toronto, Ontario, Rocky Floriano. Thank you, ladies. Here we go. I need that mic. Gentlemen. All right, men, you both received my instructions. Remember to obey my commands. We're boxing with the bell. Shake hands now. Good luck to both of you. Thank you, men. Voici maintenant les mensurations des deux boxeurs. Floriano a 27 ans, grandeur 5 pieds 9, un poids à la pesée de 142 livres et une portée de 24 pouces. Roman a 24 ans, grandeur 5 pieds 9 pouces, un poids à la pesée de 146,5 livres et une portée de 27 pouces. On est prêt à passer à l'action. Sébastien Demers, salut. Bonsoir, monsieur. Eh bien, on est content de t'avoir, Sébastien, à l'émission aujourd'hui, à l'émission de la série Box Rock. Première expérience à la télévision. Tu as déjà fait ça à la radio, par exemple. Oui, j'ai déjà fait une fois à la télévision aussi. Eh bien, on te souhaite la bienvenue. Patrice se bat à ce gala qui est présenté du côté de Trois-Rivières pendant qu'on voit le début de l'affrontement entre José Angel Roman et Rocky Floriano. Constantino Fiorescu, si vous préférez. Oh. Et il faut s'attendre, Sébastien, à un combat endiablé, surtout du côté de Fiorano, qui ne prend pas beaucoup de temps avant d'abattre ses adversaires. Oui, comme on peut voir ici, il y a beaucoup de victoires par KO. Sur 7 victoires, 6 par KO. Dès le début du combat, essaye de contrôler immédiatement avec ses coups de puissance. Floriano qui a disputé beaucoup de ses combats au Québec. Hein. Il a battu Sébastien Hamel pendant qu'on est dans le coin actuellement. Quelques bons coups au corps. Et on y va à qui mieux du côté de Floriano. Son adversaire est dans le coin. Coup à la mâchoire. Il veut en finir rapidement, mais c'est un très bon encaisseur, ce Roman, parce qu'il n'a jamais été battu par KO depuis le début de sa carrière. Oui, intéressant pour Floriano qui affronte un boxeur expérimenté pour voir s'il va être capable de faire plus qu'un rond. Oui, parce que lorsqu'on se bat, Sébastien, et qu'on n'a pas plus qu'un ou deux rounds, tu as vécu ça un peu au début de ta carrière, t'en veux plus, hein? Il me semble que tu pourrais en prendre deux boxeurs dans ce temps-là, dans la même soirée. Ouais, c'est ça. C'est important d'aller chercher justement des rounds d'entraînement contre des partenaires d'expérience quand tu commences ta jeune carrière comme ça. Ah ben là, ça s'est calmé un petit peu. On est sorti des coins, on tient le centre du ring actuellement. Et Floriano est toujours aussi dominant. Roman ne veut pas trop ouvrir le jeu parce qu'il sait la tempête qu'il pourrait subir. Oui, il a senti un petit peu la puissance en partant. Et comme Sébastien le disait, Floriano, c'est pas un gars qui veille tard habituellement. Il a gagné son dernier combat par KO au troisième round. Il a gagné par décision unanime contre Michael Springer dans un combat présenté à Toronto. C'était une décision unanime. Mais avant ça, premier round. Non, c'est pas un gars qui veille très, très tard. Il a subi une défaite en carrière en passant. Une défaite en carrière, c'est à ses débuts. Oh, et là, on a un Roman ébranlé et on l'a vu s'appuyer dans les câbles. Ça s'est fait très, très rapidement. Et là, c'est Floriano qui va en profiter des deux mains pour compléter le travail. Oh! À la manche noire! Pied gauche. C'est difficile pour surveiller Michael Griffin qui intervient. Oh, là, là. Ça prend fond dans le ring en ce moment. Okay. Oh! 5, 7, 8. Eh bien, c'est terminé. Ah, bonne décision de Michael Griffin ici. Eh bien, là, on a de la contestation un peu. Les gens aimaient ça que ça se poursuive, et surtout du côté
José Angel Roman, il n'est pas tellement heureux de la tournure des événements. Et faut dire que je pense qu'il n'était pas dans le coup, c'est pour sa santé. Hein? Il aurait intérêt à pas trop brasser Michael Griffin, il est quand même un gros homme aussi. Oui. C'est pas un ancien boxeur? Oui, oui. Oui, hein? Oui, mais c'est un gars qui ne rit pas beaucoup dans le ring, Michael Griffin. Non, il est là pour faire son travail. Connaît bien le jeu aussi pour déjà avoir été boxeur. Donc, et là, on a... Et là, on a de la contestation, vous le voyez, hein? Dans le coin de Roman, on aurait vu que ça se poursuive, mais... Roman était vraiment ébranlé. Je pense que c'était une question de temps avant qu'il se retrouve au tapis. Et puis, ça peut lui éviter des blessures qui pourraient mettre en jeu sa carrière. Bon, là, on va tenter de le calmer un peu. Je pense que ce serait une bonne idée de la part de ses entraîneurs, eux qui ont passé un peu de frustration. Étrangement, il n'en veut pas à Floriano. Oui, exact. Hein? Bizarrement, Floriano est dans son coin et il regarde ça aller. Puis il se dit, ben, il va se calmer à un certain moment donné. Mais c'est pas parti pour ça. Hein? Là, même l'annonce à la maison, Claude Bolduc qui se tient prêt. Quand il a peur d'être frappé. Voilà, Roman est hors de lui. Ah ben, il ne veut pas même pas que les entraîneurs touchent la main. Les entraîneurs de Roman sont un petit peu plus conciliants dans cette histoire-là. Et là, ça s'appelle « Tu te calmes ou tu vas retourner tout seul aux États-Unis ». Il est de Saint-Augustin, en Floride. Il est natif de Porto Rico, ce José Angel Roman. Mais Michael Griffin, lui, est avec Rocky Floriano actuellement. On attend la confirmation de la victoire, alors qu'on a arrêté le combat avec pas beaucoup de temps à faire dans le premier round. Bien, on va concrétiser la victoire de Floriano. Ce sera sa 8e depuis le début de sa carrière. Une autre victoire par KO au premier round pour Floriano. Tout à fait. Et immédiatement, on s'en va à Claude Le vainqueur Bolduc. De ce premier combat par TKO, premier round à 2 minutes 47, Rocky Floriano! Eh bien, c'est confirmé, cette victoire, cette 8e en carrière pour Rocky Floriano, qui est allé visiter son adversaire peu de temps après pour le féliciter. Il s'est calmé un petit peu, le monsieur Angel. Sébastien, qu'est-ce que tu penses de ce gars-là? On l'a vu seulement pendant un round, mais qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est pas la première fois qu'on le voit non plus au Québec, affronter quelques gars d'ici, Stéphane Mona, Stéphane Savage, Sébastien Hamel. C'est un gars qui cogne avec beaucoup d'autorité puis aime s'imposer dès le début du combat. On a vu un Roman recevoir des coups durs. Et puis, je pense que c'était seulement une bonne décision de Michael Griffin. Regardez, là, il y a un changement d'attitude. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des gars comme ça qui, parfois, là, sont pas capables de garder leur sang-froid dans le ring? Puis, c'est la frustration personnelle qui sort. Est-ce que ça t'est déjà arrivé depuis le début de ta carrière? Oui, mais il faut démontrer beaucoup de contrôle. Certaines fois, c'est sûr que tu te fais arrêter un peu plus vite que tu penses, même si tu penses.